Allô, allô, ici CHPHD. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir des orbes en illimité. Je dis bien illimité, ce n'est pas une exagération. Bon, d'abord, je dois expliquer le terme orbe. L'orbe, c'est un des collectibles. Vous pouvez choisir parmi le rubis, l'overcharge et le default, qui est un genre de boulon, un truc comme ça. Mais moi j'aime bien les orbes, donc je les garde en orbe. Je vais vous montrer comment en avoir en illimité. D'abord, ce shop est vraiment très important parce que il va vous aider à avoir continuellement de l'amour en foule. Mais ensuite, nous allons nous diriger vers ce rift ici. Ce rift ici, c'est une mine d'or. Et comme vous pouvez le voir, le shop, il est juste ici. C'est vraiment pas loin. Vous pouvez marcher ou utiliser le genre de tortue ou je sais pas quoi, crabe du jeu. Mais honnêtement, c'est tout à côté. Donc j'ai découvert cet astuce tout à fait par hasard en me baladant. Mais. Ouh là là, comme j'aime cette astuce. On va essayer ça. Et on y va là. Et comme vous voyez, on est déjà arrivé au Rift. Et en plus avec le plein de munitions. Ce Rift, c'est une véritable mine d'or. Surtout avec votre petite mitraillette. Et voilà. Là, c'est la fête des arbres. Et comme dans tous les rifts, le tout va perpétuellement respawn. Et donc, ce qui fait que vous avez vraiment en illimité. Et aussi, c'est le fun de détruire toutes ces boîtes. Vous pouvez vraiment le faire à l'infini. Et quand vous êtes à court de munitions, vous pouvez juste revenir ici et avoir les supply box respawn. Je vais le faire une dernière fois pour le plaisir. Et bon, comme vous le voyez, vous pouvez vraiment utiliser toutes vos munitions et une arme très pratique pour ça, c'est le ricochet. Vu que vous n'avez pas vraiment de munitions pour ça, vous utilisez juste un ricochet qui revient. Vous pouvez le faire vraiment sans bouger d'ici en illimité. Mais bon, c'est toujours plus beau quand vous avez votre petite mitraillette ici, le Blast Piston, qui est nettement plus fun, ou bien le handholster qui est quand même assez rapide et qui est soi-disant passant mon arme favorite. Mais bon, et là c'est tout bon, j'ai assez fait le plein comme ça. Il suffit juste que je me redirige vers le shop, vers Zircon, si je me rappelle bien. Pop et pop. Et voilà. Tout à côté. Sans trop d'efforts. J'y retourne. Je fais le plein de munitions. Et je pars à l'attaque. Bon. Je vais pas y retourner là maintenant. Bon, je suis un peu fatigué de détruire les box. Mais honnêtement, c'est un coin facile pour se faire tout plein de cash. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
aimez, partagez, inscrivez-vous. Je vais continuer à faire des vidéos tout plein de fun comme celle-là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.